Salut les amis, c'est Cyanure, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir sur le jeu du FC de EA Sports bien sûr, pas d'un autre. Alors, debout la 77, on va commencer hein, direct dans le feu du sujet, dans le vif du sujet même je dirais. Et on va faire l'entraînement en principe et ensuite on va... faire le combat, hein, comme d'habitude, en espérant le gagner cette fois-ci, puisqu'on s'est bien fait démonter, je dois dire. Alors, c'est parti. C'est parti. Allez. Les coups de poing sont efficaces à courte portée. Boxer contre un adversaire actif, placer des coups de poing vous rapportera des points. Attends. Ouais, esquive. Ouh. J'adore. Ne le quitte pas des yeux. C'est ça. Allez. Ouf. D'accord. Putain, le temps que qu'on voit le coup de poing et qu'on fasse le truc pour esquiver, ça passe pas. Hein, j'arrive vraiment pas à les faire passer en voyant ce qui se passe et en faisant la touche. C'est trop long en fait à placer les deux coups en arrière avec le joystick. Ça serait avec les flèches directionnelles, je dis pas. Je pense que ça pourrait être bien avec les flèches directionnelles. Mais là, ouais, non. Ça passe pas du tout. D'ailleurs, je ne sais même pas à quoi servent les flèches directionnelles. On va essayer, tiens. Arrête d'écouter, passe à la suite. Ouais, bon. Ah, elles servent à rien, a priori. Puisqu'on appuie et ça ne fait rien. Donc, elles doivent servir à rien. Hop, bim. Ça, c'est fait. Voilà, c'est alors, attendez. Ouais, c'est bon. Hop. Hop, bim. Quelle fluidité! Ah, j'aime bien ces petits entraînements, c'est sympa, ça apprend pas mal de choses, mine de rien. Allez, triangle croix, hop, dans ta gueule. Et pour le finir, on lui en met encore un coup dans sa gueule, bon travail, pour plaisir. Ça lui fera la bite, comme je dirais. Ça lui fera la bite. Aujourd'hui, on va se concentrer sur alors, incorporer quelques frappes avancées dans le combo. Voilà. Ok. Tu vas finir par le décrocher, c'est ça. Carrément, quoi. Si j'arrive à décrocher le sac lourd, je suis en ouf. Hein. Je te le dis. Les mecs en face, ils tombent direct. Ils mettent pas 3 heures à tomber, quoi. Ah, c'est vrai qu'on l'a, celle-là, maintenant. Celle-là, là. C'est pas mal. Et voilà, t'as carrément éventré ce sac. Ah, putain. Allez, 30 secondes, accélère. Ok, me mets pas de la pression, s'il te plaît. Continue de pousser avec ces combos. Excellent. Le mec, il met la pression juste en disant... allez, on accélère. Ça, c'est fait. Crac. Allez, un autre R1, non. Ah, ils ont changé le... Ok. Bon, voilà. On a fait les petits combos, tranquillement, hein, à base de tranquillade. Alors, on va essayer de ne pas se précipiter. Plus 525 parties. On va essayer de ne pas se précipiter cette fois-ci. On va avancer vers l'ennemi en essayant de ne pas se prendre le KO, déjà. Alors là, on va lui mettre un petit point parce que ça passe en ouf d'avoir 59. Est-ce que les mouvements, je les améliore encore ou pas? Je vois pas en quoi ça correspond à la santé, les mouvements, mais ce n'est pas grave. Bon, bah voilà. Hein. On est bon. On est good.
On est good, so good. Allez, on passe au combat. Et on va se faire défoncer, hein. Une nouvelle fois, ça nous fera plaisir. Non, plus sérieusement, faut qu'on réussisse à bloquer les chaos intempestifs de l'adversaire, hein, parce que n'aie pas peur, chef. Ouais, faut qu'on essaye de gérer mieux ça, parce que là, on se fait trop défoncer, ça ne va pas du tout. Bon, jeu en normal, hein, bien entendu, mais bon. Ouais, je devrais pas me prendre autant de KO, hein, je devrais être même en ultra méga difficile et mettre KO tout le monde. Je ne rigole pas, quoi. Ouais, je suis ready. Nice front kick. Good straight by Blood. Nice kicks. Oh, that's a vicious kick. Body kick, look at that. Oh, that one hurt him. Oh. Oh. Comment je t'esquive, mec? Nice snap to that leg kick. Very nice. And there's a takedown attempt. Mais non. Ouais, va-t'en, garçon. Reste tranquille avec moi, t'as vu. On protège la tête. Oh! Il se l'est pris en plein dans le menton, là. J'ai senti la manette vibrer et tout, quoi. Alors j'ai fait quelques petits combats en multi pour tester, hein, avant de vous proposer quelques vidéos. Je dois avouer que c'est sympa, j'ai fait du 50-50, j'ai fait 4 combats au total. Je me suis pris 2 KO, puis j'ai réussi à en mettre 2 avec notamment Bigfoot, pour ceux qui connaissent. Bigfoot, non. Ah bah là, il est KO. Ça y est, on a réussi les amis, on est bon, je continue à le défoncer par terre, parce que l'arbitre ne vient pas s'opposer à moi. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais, donc je disais, je me suis pris un KO par Dos Santos. J'ai mis un KO avec Bigfoot, celui qui ressemble un peu à Great Khali pour ceux qui connaissent. Qui a la gueule un peu carrée, qui est un monstre, c'est un monstre, hein, c'est celui qui a la plus grosse frappe de l'UFC, en coup de poing du moins, c'est un des mecs qui a la plus grosse frappe, donc voilà. Bah il avait 88 en général, l'autre en face avait 94 quand même, mais bon, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai pas pris les enregistrements parce que je voulais juste tester avant. C'est plutôt pas trop mal fait, franchement, c'est bien fait leur multi, je dois l'avouer. Bon, après, faut pas y aller en mode... on peut tomber KO comme on peut mettre KO, hein, c'est vraiment... voilà, quoi. C'est vraiment aléatoire, on va dire. Ça dépend de comment vous gérez les esquives, etc. J'ai fait aussi un autre bon combat en poids plume. C'était assez marrant. Le mec en face faisait la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on s'envoyait juste des coups de poing. En attendant de voir celui qui allait tomber, on se protégeait vraiment pas du tout cette fois-ci. C'était marrant, j'ai bien apprécié ce combat avec ce mec. Et alors on va voir, tiens, les statistiques de combat. Alors j'en ai mis... Ah non, il m'en aurait soi-disant mis 6 des frappes significatives. Alors c'est... Ouais, d'accord. Et j'ai fait 50% de frappes significatives, voilà. Enfin bref. On est pas trop mal. Sur ce combat, on va dire. Enfin, oui, donc revenons à nos moutons. Voilà, le net, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais faire des vidéos. Bon, je vais peut-être me faire défoncer, Mais bah, c'est pas grave, hein, ça fera plaisir de proposer un petit peu de net, de multi. Commenter en français, bien sûr. Je ne vais pas me mettre à parler en anglais du jour au lendemain. Alors. What's up, man? Just checking in. I saw that win. Hey, good job. Very, very happy for you. Ouais, c'est vrai. Du genre balèze. Ah ouais, d'accord.
Ok, merci. Direct, je fais un combat gagné. Hop. Hey buddy, this is Travis Brown. I just saw your awesome fight. Keep training hard. Keep it up. Ah, on voit les nouvelles têtes pour les mecs qui nous parlent. Alors, on va voir l'offre. On va voir le mec qui est du genre balèze. Ah ouais, normal quoi. Pascal Kraus. Putain, le mec. Bon, il s'est pris 9 KO. Mais il a 94 quand même, l'enfoiré. 90 de général, ouais, il me propose du costaud là, en effet. Bon les amis, préparez-vous à une défaite cuisante de ma part. Je pense que c'est ce qui va arriver. Travaillez votre jeu de jambes, hein. Alors, enchaînez les mouvements, évitement, esquive pour échapper aux frappes de votre adversaire. Ne finissez pas KO, ok? Oh, le double esquive! Ah putain, il doit être pas content lui, le mec, hein. Oh! Oh, du genre, il me touche! Non, mais le mec, il met des coups, il pivote sur lui-même et tout, quoi. En mode Tekken, pivote dans les airs! petite dédicace à Psylark qui adore ce jeu, hein, Tekken, qui a pu s'énerver plusieurs fois. Oh! Du genre! Oh, le mec! Un coup, putain! Énorme blague! Un coup, il. Direct, il est tombé, il s'est fait taper dans les couilles ou quoi? C'est interdit dans l'UFC, hein. Même dans l'UFC, c'est interdit. Alors, par les coups pour gagner des points en réalisant un blocage fort avec le bon timing. Alors, parer les coups pour gagner des points en réalisant un blocage fort. C'est ça, garde le rythme. Ah merde. J'ai voulu lui en décocher une, mais... Alors, tu tapes ou non? T'as pas envie? Eh, hey, les gars, on est d'accord, je peux pas faire deux points s'il tape pas. C'est une gueule là, sérieux le jeu. Et puis là, il va m'en mettre, je vais pas. Ok, d'accord, ok. Allez, tape. J'étais quand même protégé en haut, il aurait dû esquiver, mais il l'a pas fait. Au moment où il a tapé, d'accord, là je me la suis pris bien comme il faut. Bon bah on va recommencer celui-là parce que le mec, déjà il a perdu au moins 10 secondes à pas taper. Et en plus, putain mais il est lent là, c'est incroyable, pourquoi il... Des fois il m'enchaîne à mort. C'est pour ça des fois je réussis à faire les 4000 points et des fois je fais que dalle quoi. En fait la difficulté elle est là, le mec il tape pas. Putain. Eh, c'est un entraînement, tu dois me défoncer ma gueule, ok? Alors dépêche-toi de me taper. Oh putain, là il m'enchaîne, mais j'esquive rien du tout. Pourtant j'appuie sur le bouton. Ok, mais... Eh, mais vas-y, je vais rester appuyé, hein. Allez, 30 secondes, accélère, enchaîne. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire, quoi. En fait, faut rester appuyé durant l'entraînement. Oh putain, l'hypercute. Putain. Mais j'étais appuyé, mec. Pourquoi t'as pas esquivé? Allez, tape, là. Putain. Ah, mon ventre. Putain, le bâtard, il m'enchaîne les côtes. Bon, d'accord. Mais tu dois pas te protéger, mec. Tu dois me taper, là. Merde. D'accord. Bon, bah, viens. Hein. Écoute, on va passer parce que le mec ne veut pas me taper. Il veut pas m'entraîner, l'enfoiré. Après, je suis mauvais, je me prends des KO. Alors, donnez le coup de poing au corps, inflige les dégâts et réduit l'endurance de l'adversaire. Maintenez L2 et appuyez sur... Ok, mais de toute façon je dois pas faire ça, je dois faire ce qu'il me dit à l'écran. Non mais oh. Ah bah ça c'est du combo, un coup. Énorme blague. Alors, triangle, carré, L2, triangle, L2, triangle. Triangle, carré, L2, triangle, L2, triangle. C'est magnifique. Ah bah encore, putain, l'enchaînement de combo là. Le même, c'est magnifique, c'est perfecto. Excellente coordination là! L de triangle. L de triangle. Oh non, le con, le mauvais, le. Je veux plus de précision. Ah là, j'étais tellement mauvais, les amis.
J'avais le bonus spécial à ma portée. J'aurais dû faire un petit bonus spécial si tu bats ton record et tout. Ça aurait été pas mal. On va dire que tu t'améliores dans ton délire, dans ton entraînement. Alors bon, on va te mettre un petit quelque chose, mais bon. Ok. On va passer dans les soumissions, dans les hauts sols. Soumissions, on va passer dans les soumissions. On va essayer de placer un peu de défense étranglement. Ouais, 80, allez, pourquoi pas. Et défense articulaire. Ouais, voilà. On est pas mal. Moi, je dis qu'on est pas mal. Donc, on améliore ça et après, on sera très très bien. Si on améliore toutes les caractéristiques en soumission, je pense qu'on aura un meilleur général. Ah ouais, putain, Pascal Kraus là, putain. Eh, franchement, les gars, j'espère qu'on va pas se faire latter les couilles. Parce que là, croyez-moi, dans chaque entreprise et victoire, il y a toujours des attaques. Putain, je prends toujours le texte trop tard à lire. Dans le coup, ça fout la merde. JSP. Georges Saint-Pierre. Allez. Quoi, Walter? Je pense que je vais pouvoir le rencontrer. Hein. Oh merde. Putain, j'ai mis pause. Je savais même pas qu'on pouvait mettre pause là-dedans, quoi. Énorme blague. Oh là là là, putain. La pression monte, les amis. Il ne faut pas perdre. Putain, en plus, il a l'air déter, le mec. Il me fait peur. Oh putain. Oh putain, ce que je lui ai mis dans la tête là. Oh putain, ce qu'il m'a mis. Ah ouais, mais. Switch kick to the body by Kraus. Ah le bâtard, j'ai essayé de mettre le rond mais j'ai mis le triangle comme un con. Non, enculé. Allez, mais vas-y, sors de là, te laisse pas tabasser. J'allais dire taper dessus et tabasser en même temps, ça fait un tabasser. Putain, il m'a pété la jambe, l'enfoiré. Oh putain, celui-là s'est pris en pleine gueule. On s'est auto... Oh putain, j'ai failli lui taper dans le dos. C'est interdit, il me semble, de taper dans le dos. Putain, j'arrive à lui placer un hypercut en étant derrière lui, mais face à lui, quoi. Putain. Enfin, je crois que c'était pas français ce que j'ai dit. J'arrive à lui placer un hypercut en étant derrière lui, mais à lui mettant devant. Oh putain, encore. Énorme. Oh putain, j'y ai fait pisser le sang du nez là. Aïe, ma jambe, enculé, je l'ai senti vibrer. Putain, j'arrive à lui placer de ses esquives au mec. Ah, il arrive à me placer le... Allez, saute dessus. Ah, le bâtard. Non, t'es sérieux? Mais normalement... Ah mais... Vas-y, c'est... Eh, mais c'est moi qui l'avais retourné. Il est sérieux, le jeu? Putain. Eh, c'est une blague. Il est ouf, le jeu. Oh, putain. Oh, non. Avec ce qui se prend, c'est obligé. Les KO, les gars. Ça y est. On a gagné. On l'a niqué. C'est la finale de la Coupe du Monde. Ah, putain. C'était énorme. Eh ben, on aura fait deux bons combats dans cette vidéo. Alors, les amis, putain, énorme. Le sang, j'adore, parce qu'on le voit gicler un truc de ouf. Mais après, il disparaît. Il est plus sur le bonhomme. C'est un peu dommage, ça. Je sais pas si vous avez pu le voir. Moi, je l'ai vu trois fois avec les replays. C'est méga dégueulasse, ça. Graphiquement, c'est méga dégueulasse. Mais bon.
On va pas leur en vouloir sur ça, vu la qualité graphique de la peau. Regardez-moi ça, les gouttes qui tombent. Putain, c'est, franchement, ça va m'impressionner jusqu'au bout de la vie et de la terre. Et voilà, magnifique, purée, bah les amis, c'est un retournement de situation là, mon bonhomme, il est chaud bouillant. À croire que l'entraînement sur le net m'a porté, on va dire, un peu plus d'expérience, qui sait. Bon bah voilà les amis, je pense qu'on va se laisser là sur cette petite vidéo, on va voir, tiens, le Chuck Liddell, là. Je l'ai passé mais j'aurais bien voulu le voir, bon bref, c'est pas grave. Voilà, on est niveau 16 en plus, on a passé un niveau, on va voir les statistiques combat, 14, ah mais attends, c'est lui qui a dû les prendre, les 14 frappes significatives, c'est pas possible, j'ai mis 4 frappes significatives, et je l'aurais mis KO direct, ouais bah écoutez les amis, hein, je ne comprends toujours pas sur ça. C'est pas grave, on s'en fout, on a gagné et on va se laisser là les amis. Je vous dis, je vais vous dire tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit sur l'UFC ou sur un autre jeu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de à part l'UFC. Hein, sûrement qu'un autre jeu peut vous intéresser, hein, qui sait. Il va y avoir y a même du GTA 4 normalement. Il y a du Watch Dog, il y a un peu de tout, donc n'hésitez pas, et puis à la prochaine. Allez, salut. Hey, what's up, kid? This is Smooth Benson Henderson here. I see you, making waves. Go ahead, man, keep it up. I'll see you next time. This is Michael Mayday McDonald. I just wanted to say I saw your fight. Awesome job, and I can't wait for the next one. Hop, le combat. Ah, je suis de ce côté-là cette fois-ci. Get ready for the next battle.